Bonjour mes très chers amis, aujourd'hui je viens dans cette vidéo pour vous montrer comment augmenter la mémoire RAM de votre téléphone. Dans cette vidéo, je vais vous montrer deux méthodes dans lesquelles vous allez utiliser pour pouvoir augmenter la mémoire RAM de votre téléphone. Donc, pour la première méthode, c'est une méthode qui est disponible uniquement que sur les appareils à partir d'Android 11. Donc, si vous possédez un appareil avec une version d'Android 11, vous pouvez avoir cette option. Pour pouvoir voir la version de votre appareil, c'est très simple. Donc, vous aurez besoin de se rendre dans les paramètres de votre téléphone et puis vous cherchez à propos du téléphone. Une fois que vous serez dans à propos du téléphone, vous verrez là où on a écrit version Android. Donc là où on a écrit version Android, comme vous le voyez ici, version Android, Android 14. D'accord? Pour ce faire, vous aurez besoin de se rendre dans les paramètres de votre téléphone. Ça, c'est pour la première méthode. Vous aurez besoin de se rendre dans les paramètres de votre téléphone. Donc, une fois comme ça, vous vous rendez dans les paramètres de votre téléphone. Et puis là, vous aurez besoin de chercher à propos du téléphone. Si vous ne voyez pas à propos du téléphone, au cas où cette option aussi peut également apparaître ici directement, mémoire RAM. Par contre, il se trouve souvent dans à propos du téléphone. Donc, cette option, elle se trouve souvent dans à propos du téléphone. Donc, vous aurez besoin de se rendre dans à propos du téléphone comme ça. Et puis, une fois là, vous cherchez RAM. D'accord? Vous cherchez là où on a écrit RAM. Donc, vous aurez juste besoin de se rendre dans les paramètres de votre téléphone et vous cherchez, peu importe l'endroit là où on a écrit RAM. Donc, vous cliquez sur RAM. Et puis là, vous aurez besoin de cliquer sur définir une RAM virtuelle. Donc vous verrez l'interface, ça sera comme ça. Ici vous verrez fusion mémoire. Donc ça, on peut désactiver cela, tout comme on peut activer. Donc si c'est désactivé chez vous, vous aurez besoin de l'activer. D'accord? Fusion mémoire. Une fois vous avez activé cette option, vous verrez ça sera comme ça. Ici vous verrez définir une RAM virtuelle. Donc vous aurez besoin de cliquer sur définir une RAM virtuelle. Et puis là, vous verrez les RAM auquel l'appareil est compatible avec. Donc là, vous aurez besoin de choisir la RAM dont vous voulez. Donc, comme vous voyez ici, avant, ma mémoire RAM était de 3 Go. OK? Donc là, je vais choisir, par exemple, 5 Go. Et puis, je vais appuyer sur définir et modifier. Une fois que je vais appuyer, mon téléphone va se redémarrer. OK? Une fois votre téléphone redémarré, vous l'ouvrez. Une fois que vous l'avez ouvert, vous aurez besoin de se rendre dans les paramètres de votre téléphone pour pouvoir vérifier si la RAM a été ajoutée. Donc là, on va se rendre dans les paramètres du téléphone. Puis là, à propos du téléphone, mon téléphone. Là, on va chercher RAM. OK, RAM. Comme vous le voyez, ma mémoire RAM est dorénavant de 5 Go. Donc avant j'étais à 3 Go, là maintenant je suis à 5 Go. Donc pour la deuxième méthode, vous aurez besoin d'utiliser une application. Je mettrai le lien de l'application dans la description de la vidéo. Donc vous aurez besoin de se rendre dans Play Store pour pouvoir télécharger l'application. Donc vous aurez besoin de se rendre dans Play Store. Une fois dans Play Store, vous cliquez sur la barre de recherche, vous écrivez soif. Okay. Swap no root. D'accord? Vous écrivez comme ça. Swap no root. Ok? Donc vous cliquez là. Et c'est cette application. Vous aurez besoin de l'installer. Une fois l'application installée, vous l'ouvrez comme ça. Là, vous aurez besoin d'autoriser. Donc vous appuyez sur autoriser. Et puis là, vous verrez Create Soft. Donc, comme vous le voyez ici, cette application vous permet de prendre une mémoire de stockage interne de votre téléphone et de pouvoir le ramener dans la RAM. Donc, c'est-à-dire, vous aurez besoin d'utiliser une partie de votre mémoire de stockage interne de votre téléphone pour pouvoir la ramener dans votre mémoire RAM de votre téléphone. Avant de faire, nous aurons besoin de se rendre dans les paramètres pour pouvoir vous montrer ma mémoire de stockage interne. Donc, comme vous le voyez ici, je vais me rendre dans stockage. Là, dans stockage, comme vous le voyez, mémoire stockage, d'accord, mémoire utilisée 36
30,16% utilisé. Donc là, on va repartir dans l'application. Et puis là, comme vous voyez, c'est à défaut réglé à 512 mégas. Si vous voulez 1 giga d'ajout de RAM, sur votre mémoire RAM du téléphone, vous aurez besoin de régler cela à 1000. D'accord? Comme vous le voyez ici, 1 giga. Si vous voulez 2, vous aurez besoin de régler à 2 gigas. D'accord? Après, une fois, vous allez appuyer sur Create Swift. Je vais laisser un peu à 2. D'accord? Et puis, je vais appuyer sur Create Swift. Et puis là, vous appuyez sur Yes, I want to process. Comme vous le voyez ici, When you create the software file. Donc là, vous aurez besoin d'appuyer sur Yes. Et puis là, vous patientez jusqu'à ce que ça soit à 100%. Voilà, software file successfully created. Donc là, ça a été créé avec succès. On va se rendre dans les paramètres de notre téléphone pour pouvoir vérifier si cela a été fait bel et bien. Donc, OK. Et puis là, on va se rendre. Fermé. Donc là, on va se rendre à nouveau dans les paramètres de notre téléphone. On va vérifier l'espace de notre stockage interne. Donc là, on va aller dans stockage. Comme vous le voyez ici, avant, l'espace de stockage était à 30,16. Comme vous le voyez ici, c'est maintenant à 30,99% utilisé. Donc, une partie de l'espace de stockage a été ajoutée dans la mémoire RAM. Donc c'est tout pour cette vidéo.